Ahmed, la huitième fille d'un couple qui, n'ayant pas d'héritier mâle, décide de l'élever comme s'il était un homme. L'enfant que tu mettras au monde sera un mâle. Ce sera un garçon, il s'appellera Ahmed, même si c'est une fille. En découvrant progressivement, avec embarras et incertitude, ce qui est caché aux yeux des autres, Ahmed choisit d'assumer la rébellion de son père contre le destin, de vivre un homme et de se marier. Pourra-t-il toujours vivre comme un homme dans un corps de femme? Comme toile de fond, une société critique de la morale traditionnelle, de la société arabo-musulmane, avec une référence spécifique à la condition de femme. L'enfant de sable, une histoire riche en allusions et hallucinations, qui rassemble des sujets comme la quête d'identité, la solitude, les mystères et la violence.